Ouais, mais combien d'ingrédients que de sac? Mais Big et Jude, le champion, ils ont fait sur deux. Pas d'eau. Ah ouais. Celle-là. On l'a vu à la télévision, vu la partie. Il y a pas de champignons dedans? Non. Non, pas de champignons. Lait de coco? Non. Moi aussi j'ai goûté. Lait de vache? Oui. Tu n'es pas fait pour de prout. Lait de vache. Mais monsieur, j'ai balancé quand même le garagiste. Non, on n'a pas osé pour toi. Parce que t'as déjà crévé de plus à l'autre. Non, non, moi j'aime bien. Quand t'es sorti d'ici, c'est tout est oublié. Mais quand t'es sorti d'ici, c'est tout oublié. Asperge. Difficile, hein? Non. Le nouvel enlève, il n'y avait pas de nouvel enlève. Le boursin. C'est ça qui est. Ah, c'est ce qui est crémeux comme ça. Mais là, déjà la moitié, de, la moitié du prix. Du boursin. La vôtre. Oh, c'est devant moi marchait Nathalie. Quand j'ai pas de lunettes, je vois. Elle avait un joli nom, Nathalie. Ça, je connais par cœur cette chanson. La neige faisait un tapis. Ils le suivaient comme ce froid dimanche. Stop. La place rouge était vide. Je lui pris son bras et la souris. Il avait des cheveux blancs mouillés, Nathalie. Le père de le matin, on s'embrasse en chantant, et le soir, on s'embrasse en dansant. Le matin, on s'embrasse en chantant, et le soir, on s'embrasse en chantant. Entre deux temps, on se gâche, il y a vraiment rien. On va même se recoucher, on ne se soigne jamais assez. C'est où on est allé l'été dernier. Bravo. Merci. Merci. Tu ne pas ça, si tu le demandes pas. Ah, c'est le. Non, moi je me fais. Vous allez faire ça. Ça, c'est la première à Paris. Je regarde encore, moi, sur Internet. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce que tu nous verras monter? Oui. Et par cassin, c'est bien. Jusqu'à 160 kg. C'est en général. Et voilà, les voilà. Il allait les bas de 3 à 8 semaines. Il y a pas de gestion. Sa gestation est de 3 semaines et 3 jours. Comme chez le cochon. Les armes sur le dos des marcassins servent à l'ouvrage. Bien la mire, le fait pour la qui évolue pourtant avec l'âge. Ça sent, hein? Oui. Si, si, si. Là, il y a un petit peu de temps. Oui. Là, regarde, c'est trop mal, là, ici. Il y a des belles dents, hein? Des belles défenses. Ah, oui. Magnifique. Ah, oui. Magnifique.
Beau, ouais. Papo et tout ça. Et c'est bon ce que ça fait là, au nom de Dieu. Doux repos, c'est ça que tu dis. Oui. C'est pas une maison de vieux, ça, non? Lou est un magnifique carnivore d'une cinquantaine de kilos. Il vit en meute de 12 à 14 individus. Les membres sont soumis au chef dominant et à sa femelle, seul couple reproducteur au sein du groupe. Au terme d'une gestation d'environ 60 jours, la louve met bas de 3 à 8 louveteaux. Dans la nature, chasseur de grands et de petits gibiers, il est capable d'ingurgiter un cinquième de son poids en un seul repas, d'où l'expression « avoir une faim de loup ». Dernier grand prédateur de nos forêts, il a disparu de nos régions il y a plus d'un siècle. Ils ont l'air bien gentils. Ben, on vit en France, dans le défilé de la ville. Il y a des plaques au bord de la route. Loup. Et ça n'arrange pas les éleveurs de moutons. Tu vois, en France, on veut réintroduire là, et il faut quand même du dégât dans les troupeaux de moutons. Oui, il paraît que c'est fini. Ils ont décidé d'arrêter. Ça n'a pas donné à manger. Regarde, elle va donner à manger, madame. Gardons le courant qui arrive. Oh, ils se battent. Vous n'en avez plus. C'est de bons joueurs de basket. Celui-là, c'est un rapide. Hein. Celui-là, il a eu son point 1, je ne sais pas. Plus. Przewalski était un officier de l'armée russe qui découvrit les derniers spécimens de cette race en Mongolie vers 1880. Cet équidé primitif à la crinière en brosse est l'un des ancêtres de nos chevaux domestiques. De nos jours, c'est la dernière espèce de véritables chevaux sauvages au monde. Le dernier petit qui est là, eh bien, il est né le 20... Attendez, je vais vous dire ça. Le 21 mai. Il était vite là. Un chat domestique. Il peut peser jusqu'à 10 kilos et mène une vie essentiellement arboricole. Deuxième dans l'arbre au-dessus. Ses proies favorites sont les oiseaux et les rongeurs. On le reconnaît assez. Le mâle peut atteindre 1 mètre et ne fait que 20 cm chez la femelle. Son pied est doué des mêmes qualités que celui du chamois et lui assure un maximum d'adhérence sur les rochers. Il possède des bois caducs de forme palmée et aplatie. Soulignons le fait que les cervidés perdent leur ramure chaque année, alors que les bovidés gardent leurs cornes durant toute leur vie. Il serait l'un des ancêtres du cheval domestique. On le retrouve notamment sur les peintures rupestres dans les grottes de Lascaux. Disparu vers 1860, l'espèce fut reconstituée au début des années 1930 par croisement sélectif. L'âne du Poitou. Avec son 1,50 m au garrot, il est le plus grand de tous les ânes.
son poids peut atteindre les 450 kg. Au XVIIIe siècle, il fut croisé avec la jument mulassière Watteville pour produire une mule de grande taille, la mule Watteville, dont la robustesse a fait le tour du monde. Oh, mais ils sont tous sur la barrière, hein, c'est... Aïe, aïe. Ici, ils passent encore. Oui, mais ils sont encore plus vite. Le bison européen. Le bison européen est le plus grand mammifère du continent. C'est une espèce forestière, alors que le bison d'Amérique est un animal de plaine. Un mâle peut peser de 700 à 900 kg, alors qu'une femelle n'en pèse que 450. En 1923, l'espèce, au bord de l'extinction, ne comptait plus que 56 individus. Aujourd'hui, le cheptel mondial en dénombre à nouveau plus de 1800 têtes. Chicken, 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 ch
À ceux qui ne sont pas venus de venir la prochaine fois. Au revoir, merci.